parler d'une petite partie donc importante pour nous, donc le compartiment moteur. Aujourd'hui, avec des moteurs donc développés pour la compétition, le gros problème que l'on a, c'est les températures. Donc autant les chaleurs d'huile que les chaleurs donc d'eau, c'est notre ennemi numéro un. Donc ce qui pose problème, si vous voulez, là où on a des pannes. Donc moi, pour améliorer tout ça, ce que j'ai fait dans le premier temps, c'est que mon radiateur n'est pas un radiateur d'origine. Donc c'est un radiateur en aluminium avec une épaisseur plus importante, ce qui permet d'avoir plus de volume d'eau. Deuxièmement, sur mon collecteur, qui n'est pas un collecteur non plus d'origine, donc j'ai fait une isolation par bande thermique qui permet de concentrer et de maintenir les chaleurs donc de gaz d'échappement dans les tubes, ce qui évite de rayonner les chaleurs sur l'eau. Et ensuite, donc, j'ai mis une protection thermique sur l'alternateur, ce qui permet aussi aux chaleurs du collecteur de ne pas venir impacter l'alternateur. Et ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir un alternateur qui lâche en pleine spéciale, et donc là on abandonne. Donc c'est des protections qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très utiles pour des moteurs qui développent certains chocs. Voilà. Comme ça, c'est encore. Ça m'inscrit. Il y a la mégane. Ouais, mais c'est déjà la croisée. C'est pas pour le bien. La mégane, on va faire la route.